Bon, on ne présente plus Maurice Godelier. Donc, en un sens, ma tâche. Il faut bien que tu travailles. Ma tâche, voilà, pourrait être légère. Mais ça n'empêche pas de dire quelques mots à l'intention de ceux qui ne seraient pas familiers de l'homme et de ses recherches. Maurice Godelier est reconnu comme une des figures majeures de l'anthropologie en France, mais aussi à l'étranger. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, il a reçu en 2001, pour l'ensemble de ses travaux, la médaille d'or du CNRS. Son parcours intellectuel l'a conduit tout d'abord à l'École normale supérieure et à l'agrégation de philosophie. Il s'est intéressé ensuite à l'économie politique et de là à l'anthropologie économique. Il a plaidé dans ses premiers travaux pour une approche anthropologique et historique de l'économie, en remettant en cause au passage la notion de rationalité économique. Il a montré notamment que les activités que l'on dit économiques sont emboîtées dans des rapports sociaux d'un autre type que nous appelons ici religieux ou politiques. Après un premier séjour de recherche au Mali, il devient rien moins que le chef de travaux de Fernand Braudel à l'École pratique des hautes études, et rejoint ensuite Claude Lévi-Strauss, dont il a été le maître assistant. Son premier vrai terrain, comme il dit, celui qui l'a rendu célèbre en tout cas, s'est déroulé chez les Barouya de Nouvelle-Guinée. Les Barouya n'avaient pas vu de blanc jusqu'en 1951. Maurice Godelier est arrivé peu de temps après, en 67, si je ne me trompe pas, et il a passé au total 7 années chez les Barouya, dont 3 consécutives. Cette année est allée sur une période de 20 ans, son dernier séjour remontant à 1988. Alors il s'est livré sur ce terrain à une enquête systématique, minutieuse, qui lui a permis d'aborder de nombreuses questions d'ethnologie océanienne, bien sûr, mais aussi tout un ensemble de questions générales, d'une importance centrale pour la théorie anthropologique, dans des domaines aussi variés que l'anthropologie économique, l'anthropologie de l'organisation sociale, des systèmes politiques, l'anthropologie de la parenté, la question de la domination masculine et de la domination tout court, la question du rapport aux objets, de l'imaginaire et de la fonction symbolique. Dans l'étude de tous ces dossiers, Maurice Godelier s'est employé, non sans une certaine jubilation, à remettre en cause un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, lorsqu'il dit, je cite, « Nulle société n'a jamais été fondée sur la famille ou sur la parenté ». Maurice Godelier, pourtant venu du marxisme, n'a pas hésité non plus à s'en prendre à l'opposition rudimentaire souvent faite entre infrastructure économique et superstructure idéologique. Il a montré qu'il existe de l'idéalité au sein même des rapports économiques et que ces éléments idéals ne sont pas de simples reflets des rapports sociaux. Ils en sont au contraire partie intégrante. Pour le dire autrement, les rapports sociaux ou économiques ont également une constitution idéale. Maurice Godelier s'est également intéressé à ce qui est sans doute une des questions clés des sciences sociales et de la philosophie politique, bien sûr. Comment les groupes humains se constituent-ils en société? Et le cas des Barouya, une fois de plus, lui a fourni des matériaux de premier ordre, puisqu'ils n'existent en tant que tels que depuis 2 ou 3 siècles. Maurice Godelier a montré que ce ne sont pas des rapports de parenté ou des rapports économiques, mais bien plutôt des rapports politico-religieux qui ont permis à ce groupe de se constituer en tant que société, de nouer entre eux un type déterminé de liens sociaux et de développer un sentiment d'appartenance commune. Politique et religion jouent donc ensemble, et pas seulement en Nouvelle-Guinée bien sûr, un rôle crucial dans la construction des sociétés, mais aussi dans leur reproduction. Comme chacun sait, toute société n'est après tout qu'un système d'inégalités, reconnu comme légitime, reconnu comme allant plus ou moins de soi, et par conséquent, bien souvent, inaperçu comme arbitraire ou injuste. Et Maurice Godelier ajoute que la religion joue un rôle déterminant dans le consentement des dominés à leur domination, consentement sans lequel la reproduction des inégalités au fondement de tout ordre social ne pourrait tout simplement pas être assurée.
Alors, pour penser tout ce paquet de questions assez immense, Maurice Godelier soutient que la contribution de l'anthropologie est indispensable. Fort de cette conviction, il s'est employé depuis une vingtaine d'années à faire reconnaître l'importance de l'anthropologie et des sciences humaines et sociales en général pour la compréhension de notre société, pour la compréhension des transformations gigantesques qui se déroulent sous nos yeux à travers le monde. Il a ainsi beaucoup contribué au développement de l'anthropologie en France en exerçant de très nombreuses responsabilités institutionnelles. Il devient entre 1982 et 1986 directeur fondateur et directeur du département sciences humaines et sociales du CNRS. Il a également été associé de près à la création du musée du Quai Branly, dont il est nommé directeur scientifique en 1997. Et parallèlement, il fondait à Marseille le CREDO, le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie. Maurice Godelier a reçu les plus hautes distinctions scientifiques françaises et internationales, que je n'énumérerai pas ici. Je signalerai simplement pour conclure qu'il est l'auteur de plus de 200 articles dans des revues scientifiques et d'une douzaine de livres traduits dans plusieurs langues qui ont assuré sa célébrité bien au-delà de l'anthropologie. Alors, parmi ses ouvrages, j'en mentionnerai quatre qui sont tous parus chez Fayard et qui sont tous des ouvrages majeurs. La production des grands hommes, pouvoir et domination masculine chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée, paru en 82 et qui a reçu le prix de l'Académie française. L'idéal et le matériel, pensée, économie, société, chez Fayard encore, donc 84. L'énigme du don, en 96. Et Métamorphose de la parenté, en 2004. Mais bon, soyez pas trop impressionnés. Maurice Godelier, c'est aussi un style limpide, très abordable, ennemi du jargon et de la langue de bois, comme vous allez pouvoir en juger maintenant en l'écoutant. Cette grande qualité est la marque des grands, mais vous allez entendre un grand chercheur qui a des choses à dire et qui attache du prix à les communiquer au plus grand nombre. C'est la raison de sa présence ici ce soir, et je tiens à le remercier très chaleureusement. Salut, hein. Il est gentil, hein, c'est... Voilà comment les petits frères remercient leurs grands frères. C'est bien. Alain, pourquoi tu ne restes pas avec moi, Alain ? Parce que je préfère être assis à côté. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que je vais faire de ma solitude après ? Bon, écoutez, on m'a demandé de vous présenter le dernier livre, là, Au fondement des sociétés humaines. On a présenté ça comme une sorte de... Peut-être je m'approche trop, là, de synthèse de ce que j'avais fait dans la vie, enfin, disons, au niveau scientifique. Et oui, je vais vous dire sur quelques points. J'ai un peu bousculé les évidences. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai appris, j'étais à l'université, j'ai eu beaucoup de chance, puisque je suis devenu très proche dans mon travail de très grands chercheurs français comme Braudel et puis Lévi-Strauss, bon, etc. Si j'ai exercer des grandes responsabilités, comme on dit. Mais tout ça, c'est... Mais, par exemple, quand j'étais étudiant, et puis ensuite, quand j'ai enseigné, j'ai avalé l'idée que les sociétés primitives, vous savez, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de caste. C'est des sociétés qui sont fondées sur la parenté, quoi. Les Américains appellent ça « kin-based societies ». Oh là 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 là. Bon. Je peux vous dire qu'il faut nettoyer tous les manuels d'anthropologie, et même mes collègues devraient arrêter d'enseigner ça, parce que c'est faux. Et je vais vous le démontrer après. Ensuite, quand j'étais jeune, donc, revenez en arrière, les années 50, 55, 60, là, j'étais un jeune cheval, là. J'étais un marxo-structuraliste, enfin j'étais trop structuraliste pour les marxistes, j'étais trop marxiste pour les structuralistes, enfin... Ça me donnait beaucoup d'ennemis, ce qui était d'ailleurs extrêmement favorable. Et bon, mais on était, si vous vous rappelez, après la guerre, pour les plus anciens, on était persuadés que
le domaine de l'économie et le domaine aussi de la vie des masses par rapport aux élites et par rapport aux gens qui gouvernent les sociétés avait été négligé par les historiens, hein, vous vous rappelez, c'est ça, et que si on refaisait une histoire des masses, une histoire de l'économie, puisque les masses en général produisent et travaillent, on allait avoir la clé qui manquait pour comprendre. Hein. Puis on était, après la guerre, vous vous rappelez qu'il y avait une partie de l'humanité qui était sous des régimes socialistes. Non, ça, vous n'avez pas complètement oublié ça, non. Alors, nous tous, enfin, vous voyez, Foucault était membre du Parti communiste, tous les normaliens s'étaient plus ou moins engagés quand même pendant la guerre. Hein, c'est sûr. Et politiquement. Et aussi sur le plan conceptuel. Donc, voilà, donc une première indication pour vous. Un jeune comme moi, on a l'idée que si on travaille l'économie des sociétés dites primitives, j'emploie pas ce terme, hein, des sociétés dites primitives, on va avoir une clé que les autres n'avaient pas dans les mains. Donc je suis parti joyeux avec cette idée dans la tête. Je peux vous dire que ça n'a pas marché. C'est pas que je sois pas, je vous le dis tout de suite, je suis matérialiste. C'est les hommes qui ont inventé les dieux. Et c'est pas les dieux qui ont inventé les hommes. Hein. Donc, je suis comme anthropologue, mais tous les anthropologues, quelle que soit leur religion, sont obligés de rendre compte des faits sociaux et des faits culturels et des religions des autres. Et personne n'a le droit de dire qu'il y a une vraie religion quand on a des centaines de religions devant nous. On ne peut pas dire qu'il y en a une vraie et les autres sont fausses. Notre boulot serait foutu. Vous comprenez, quoi. C'est pas possible. De toute façon, je vais vous dire une chose, ça va vous rassurer. Jusqu'au néolithique, vous voyez, domestication des plantes et des animaux, vous voyez, mise en place de l'agriculture, société pastorale, il n'y a pas beaucoup de dieux. Il y a des esprits de la nature qu'il faut, avec lesquels il faut faire des transactions et des contrats pour chasser tout ça. Bien sûr, le soleil et la lune existent, mais on ne leur fait pas de sacrifices. Alors, je peux vous dire une chose, si vous ne le savez pas, des milliers de dieux apparaissent avec le néolithique. Des milliers de dieux apparaissent. Et les premières sociétés d'État, Sumer, vous avez une idée de Sumer, la Mésopotamie. Vous savez que c'est là que probablement les premières cités sont apparues. Vous savez peut-être que c'est parmi ces cités qu'il y a eu des cités-États et que l'État, comme une nouvelle institution humaine, est apparu là, hein, avant l'Égypte. Un peu plus tard, quand même plus tard, et les Chinois, un peu plus tard encore, ok ? Et nous, encore un peu plus tard. Eh bien, dans le catalogue qu'ont fait les archéologues, hein, des gars sérieux, hein, sur la Mésopotamie, il y a deux catalogues des dieux. L'un, c'est 1200 dieux, c'est écrit par Botero, et l'autre, c'est 1400 dieux. Alors, vous voyez, quand vous avez des dieux partout, hein, pour le dieu de la pluie, le dieu de la sécheresse, le dieu pour ma maladie, le dieu pour mon foie, le dieu pour ma tête, vous vivez avec les dieux en permanence, ok ? Et ça, l'humanité ne pouvait pas se développer sans produire ces entités qui étaient des explications du monde et qui donnaient sens à leur existence, ok ? En même temps, quand vous avez 1200 dieux, il faut les nourrir, les gars. Il faut faire des sacrifices tous les jours. Il faut aussi peut-être spécialiser des prêtres parce que c'est pas moi qui peux parler avec les dieux. Il y a des gars compétents, ils connaissent les secrets, les rituels, etc. Donc déjà, ça vous fait voir que il s'est passé des productions gigantesques imaginaires. Imaginaires, vous voyez ce que je veux dire ? Des noyaux imaginaires gigantesques. Et que ces noyaux imaginaires gigantesques, pour que ça ne reste pas dans la tête des gens, ce qui n'intéresse personne après le voisin, il faut que ça soit partagé. Et qu'est-ce qui est une opinion partagée, une représentation du monde partagée ? C'est une croyance. Il faut que les croyances soient partagées. Et ensuite, les croyances ne peuvent pas rester des croyances. Il faut qu'elles deviennent visibles dans la vie. La vérité, que les dieux vous aident pour la pluie, pour le beau temps, s'il y a une maladie pour votre troupeau, c'est foutu et vous êtes foutu. Donc, vous voyez, le recours qu'on a, c'est des choses sérieuses, c'est des enjeux sérieux. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons pour avoir inventé ça, non ?
Alors, comment vous faites pour partager? Comment vous faites pour rendre visible l'invisible? Comment vous faites pour rendre sensible l'intelligible? Par des rites, par des sculptures, par des paroles importantes, par des initiations, dont moi je serai exclu si je suis en bas, ou je serai au contraire le maître des initiations si je suis en haut. Hein. Donc voyez maintenant le passage de l'imaginaire au symbolique. Le symbolique, c'est quoi? C'est ce qui fait vivre l'imaginaire et transforme de l'imaginaire dans des rapports sociaux réels. Et pas simplement des rapports, des temples. Des temples, c'est des monuments. Ça se produit. Les sacrifices, c'est des... Par exemple, si vous lisez la Bible, vous allez avoir la description des sacrifices quotidiens au temple de Jérusalem. Le matin, un bœuf blanc, etc. Puis ensuite des centaines de brebis, etc. Il faut donner à bouffer aux dieux. Hein. Si, tout à fait évident. Donc là, vous voyez maintenant un grand problème qui est d'apprécier le rôle de l'imaginaire dans la production de l'histoire humaine. Et vous voyez aussi la rupture qu'a accomplie l'Europe à partir du XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières qui a dit ceci, que le pouvoir ne vient pas des dieux, mais le pouvoir appartient aux hommes, c'est la souveraineté du peuple. Oh là 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 là, vous rendez compte. Face à une monarchie de droit divin française ou autre, tsar, etc., vous dites que non, l'histoire a été inventée par les hommes, et c'est à partir de ce moment-là que naissent les sciences sociales. C'est au XIXe siècle. Sinon, il n'y a pas de sciences sociales avant. Vous voyez ? On ne peut pas faire un développement de l'histoire qui ne soit à ce moment-là autre chose qu'un conte téléologique où Dieu a mis ça, puis après, bon, je ne suis pas contre Dieu, hein, mais je vous donne la mesure de la rupture épistémologique qui s'est faite avec les philosophies des Lumières en France, en Allemagne, Aufklärung, en Angleterre, Enlightenment. Et donc, il y a eu là, en Occident, une rupture fondamentale. Et nous en héritons par la démocratie quand même, non? C'est-à-dire c'est le peuple qui dirige... Enfin, normalement, vous et moi, vous voyez tous dans la salle, nous sommes également souverains. Hein, ça vous arrange ou pas, non? Non, mais on est tous des égaux. On partage à égalité la souveraineté du peuple. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous la déléguons à des représentants du peuple. Bon, je passe là-dessus parce qu'on vient de s'en payer une semaine là. Donc, mais c'est normal, hein, c'est normal. Je préfère ça que d'avoir devant moi des régimes théocratiques. Hein. Oui, je me sens plus à l'aise de ne pas être contrôlé et formaté tous les matins par des lois divines. Bon. Donc ça, c'est très important. C'est le rôle de... C'est le rapport entre imaginaire, symbolique. Et le résultat, c'est pas... de l'imaginaire et du symbolique seulement. C'est des rapports sociaux réels, des prêtres, des non-prêtres, des gens, etc. Vous comprenez? Le résultat du symbolique, ce n'est pas seulement du symbolique. Alors, il y a 20-30 ans, quand j'étais assistant Lévi-Strauss, Lévi-Strauss avait fait un coup superbe que j'ai aimé quand j'étais jeune. Il disait « prima du symbolique sur l'imaginaire et sur le réel ». Ok. Bon, aujourd'hui, à mon âge, avec mes cheveux blancs qui apparaissent, vous voyez, non. S'il y avait un primat à donner, c'est le primat de l'imaginaire sur le symbolique. Les deux, d'ailleurs, ne peuvent exister que l'un avec l'autre, sinon ce n'est pas des croyances partagées. Et en plus, les enjeux, ils ne sont pas symboliques. Quand vous regardez l'histoire des sociétés, vous allez voir qu'à travers ces processus sociaux qu'il faut comprendre et qu'on retrouve, hein, les enjeux, c'est qui a le droit de parler aux dieux et de faire des sacrifices pour tout le monde. Une petite précision. Dans les manuels de mes collègues et de moi-même, peut-être autrefois, on confondait le culte des ancêtres et le culte des dieux. C'est pas pareil. Le culte des ancêtres, c'est les godeliers, mes ancêtres. Ça n'a rien à foutre avec vous, avec vos ancêtres. Enfin, sauf si vos ancêtres
m'ont emmerdé, quoi. Ou bien c'est moi qui les ai emmerdés, quoi. Mais les dieux, quels que soient nos clans à nous, c'est les mêmes. C'est les mêmes dieux dans un panthéon. Donc, vous voyez la différence. Les dieux vont être communs à des tas de groupes sociaux et à des tas de groupes qui ne sont pas à la même place dans la société. Tandis qu'un culte des ancêtres, c'est d'abord pour moi. Pour moi et les miens, quoi. Alors donc, c'est donc, si vous voulez, du temps d'il y a une cinquantaine d'années, on a pensé, ça fait déjà 50 ans, vous voyez, que hein, j'ai 76 ans. Donc, comptez, j'avais 26 ans quand j'étais avec Lévi-Strauss. Faites le compte, ça fait un demi-siècle. Alors, on mesure la transformation de nos connaissances sur 50 ans. Et on voit les noyaux résistants, les noyaux forts sur lesquels il faut continuer. Et on voit les limites maintenant de ce qu'on faisait il y a 50 ans. Hein, c'est normal. C'est la science, c'est pas la religion. Ça avance par la critique et par des travaux nouveaux. Hein. Donc, c'est mise en cause, c'est mise en question, toutes nos évidences. Alors, donc, Lévi-Strauss faisait primat du symbolique sur l'imaginaire. Alors, il y a un gars qui s'appelait Lacan, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là. Un type s'appelait Lacan à l'époque, c'est la même époque d'ailleurs, et lui, il avait lu Lévi-Strauss. Et donc, il a inventé le père imaginaire, le père symbolique et le père réel. Alors, il n'avait pas tort. Lévi-Strauss avait probablement tort de mettre le primat sur le symbolique, mais Lacan, comme psycho, il pouvait mettre le symbole avant l'imaginaire parce que les enfants voient des signes avant de comprendre le sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, après, comme les psychanalystes, j'en fréquente tout le temps, hein, je suis l'ami de Green et tout, ils ont du mal à comprendre les sociétés. Ont beaucoup de mal à comprendre. Ils comprennent des formations psychiques, bien sûr. Et donc, il a répété cette histoire, le père imaginaire, c'est celui qu'on voudrait avoir, le père réel, c'est le pauvre con qu'on a sur soi, et puis le père symbolique, c'est la loi. La loi. Ok. Ça voudrait dire aussi que la loi est toujours masculine. Chut. Donc, il y a beaucoup à redire là-dessus, mais je ne vais pas faire... moi, ce n'est pas mon boulot, les psys, je discute avec eux, mais c'est leur domaine. Je peux comprendre ce qu'ils font de moi, de nous, mais je ne vais pas aller chez eux. Hein, voilà. Donc, ça, c'est déjà une très grosse chose. Deuxième déplacement, parce que maintenant, je jouis des déplacements que j'ai faits dans mon domaine. Mais c'est du boulot, hein, pour déplacer des... stones, des évidences, hein, qui sont enseignées par des grands et qui sont reproduites dans les manuels et dans les universités, et même dans la presse non universitaire. Passons. Un deuxième truc qui m'a passionné, c'était le problème du don. Et c'est forcé, parce que j'ai bossé beaucoup sur l'anthropologie économique, les systèmes de production, de circulation des biens, etc. Et nous, on est tous, vous et moi, on est impliqués dans une économie de marché. Hein, bon. Et puis, on avait un grand ancêtre, c'était Mauss, qui avait écrit « L'essai sur le don ». Grand, grand texte. Bon. Alors, il s'est passé un jour, je ne sais pas pourquoi, c'est des trucs qui remontent dans la vie des gens, ça. Enfin, dans ce travail intérieur. Un jour, un de mes collègues, un jeune collègue me dit, on crée une nouvelle revue internationale socio-anthropologie. Est-ce que tu veux écrire un article pour le numéro 1 ? Alors je dis, ok. Et il dit, sur quoi tu voudrais ? Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu sur le trottoir de la Maison des sciences de l'homme. Là. Je vais te faire un truc sur le don. Mais après, j'ai compris pourquoi. Hein. Pourquoi c'était remonté du fond, là ? Alors il me dit, bon ok, on est en juin, est-ce que tu peux me ramener en septembre un article, une trentaine de pages ? Donc je suis parti avec l'essai sur le don, une énorme documentation que je possédais. Quand j'ai repris le don, j'ai vu que j'avais lu en 1959, pour la première fois, l'essai sur le don. Donc oui, j'avais mes notes, j'avais des... Je suis revenu avec un article de 101 pages. Donc je me suis fait jeter. On dit, mais ça va pas, non.
ça va pas. Mais je veux bien pour toi en couper deux morceaux, deux tranches de 30 pages. Ça sera déjà deux articles pour les deux premiers numéros. Mais je peux pas. Donc il s'était passé quelque chose chez moi. Alors je vais vous expliquer ça parce que ça, les vertus théoriques, c'est comme ça le travail scientifique. Je reprends le bouquin de Mauss, ligne après ligne, et je vois très vite ce que je n'aurais pas vu en 1959, où j'étais à ce moment-là en train de préparer la grecque de philo, alors on nous distribuait, il faut lire Mauss, allez, il fallait lire Mauss, ok, why not? C'était pour la grecque, quoi. Hein, c'est pas... L'agrégation, c'est pas vraiment un haut sommet de la science. Hein. Ok, donc j'avais lu ça. Et là, en relisant avec mon expérience nouvelle, quoi, je découvre des trucs qui ne marchent pas, quoi. Ou qui marchent, mais à sa manière, à la manière de Mauss. Mauss, il distingue deux types de dons. Les dons non compétitifs et les dons compétitifs. Et en deux pages, il écarte les dons non compétitifs. Je vais vous expliquer tout ça. Ne vous impatientez pas. Hein. C'est pas... Il écarte vite les trucs, là, comme les dons équivalents, femme contre femme, entre deux clans, ça ne l'intéresse pas, ce truc-là. Là. Ce qui l'intéresse, c'est les dons compétitifs. Vous donnez tellement que le type ne pourra pas vous rendre, ou vous rendez tellement que le type ne pourra pas continuer le jeu. Donc le don, c'est la guerre. C'est une guerre autour du pouvoir, parce que ce qu'on donne, y compris sacrifier quelques esclaves... Ça montre qu'on peut écraser par ses richesses les autres. Donc, l'enjeu est politique et religieux. Parce que ce qui compte, c'est qu'à l'occasion de la mort d'un fils de chef, ou à l'occasion de la vacance d'un titre, il y a des concurrents qui viennent. Et la concurrence ne se fait pas par la bataille, ça se fait par la bataille des dons. Et on écrase les autres par ses dons. Vous avez compris le truc ? Bon. Et l'autre, alors, c'est les, alors l'autre, échanger des femmes pour des chats. Bon, ben, on ne donne pas deux femmes pour une femme, mes enfants. Hein, moi, j'ai vécu pendant 7 ans dans une société qui pratiquait l'échange des femmes. Ben, je ne vais pas donner deux sœurs pour une femme. Je donne une sœur pour une femme. Et en plus, si la mienne, si celle que je récupère, elle n'est pas capable de me faire des enfants, là, je suis un peu emmerdé. Je peux faire une réclamation au comptoir d'en face en disant, écoutez... Elle n'est pas... Donc théoriquement, dans les sociétés, on échange les femmes, écoutez bien, on postule l'équivalence des femmes, vous rendez compte ? Mais l'équivalence sur quoi ? Mais c'est bien classique. Bon, faire des enfants, hein, c'est baiser, bon, ça c'est nécessaire, si elle ne baisse pas, on les... Et faire la cuisine, quoi. Hein, faire des trucs basiques, quoi, vous avez compris, bon. Alors, théoriquement, on postule que l'éducation des femmes, puisqu'il y a eu des livres, dans toutes les sociétés, produit des femmes relativement équivalentes. Vous voyez ? La passion n'intervient pas là-dedans. Donc, et d'ailleurs, soyez rassurés, l'humanité n'a jamais compté sur l'amour pour avancer. Qu'est-ce que qu'on peut faire ? C'est pas possible. Si l'humanité avait confié à des passions aussi fragiles et fractiles que ça, on n'aurait jamais avancé. Donc les systèmes de parenté étaient des systèmes sociaux dans lesquels on distribue les hommes et les femmes pour reproduire la société, vous avez compris. Il n'y a pas maintenant à s'étonner. Alors c'est vraiment dans les sociétés modernes qu'on choisit son partenaire, on n'est pas obligé de se marier, mais c'est quand même l'amour. Bon, ça dure 7 ans. Hein. Vous savez à peu près ce que ça dure. L'amour, c'est 7 ans. Hein. Un tiers des mariages français ou des mariages ou des unions françaises se terminent par un divorce ou une séparation. Vous avez compris ? Et avec le divorce par autorisation réciproque, n'est-ce pas ? Ben vous, moi, je sais bien, ma fille, elle a, alors vous avez des milliers, plusieurs millions de familles recomposées maintenant, vous voyez ? Donc, ma fille a amené 2 enfants de son premier livre. Vous rappelez ce que disaient nos grands-mères ? Et maintenant, elle est avec un gars qui amène 2 enfants de son premier lit. Et maintenant, ils viennent de s'en refaire un 5e. Bon. Donc, vous voyez, j'ai quand même dans la famille
j'ai mon fils qui vit en concubinage, donc j'ai quand même en observation rapprochée. J'ai pas à me déranger. Ce qui me manque, c'est des homosexuels. Mais je n'ai pas pu les fabriquer. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, la société française, elle évolue très près de vous, là. Hein, très près de vous. Mais c'est comme ça, l'observation. Participante. Hein. Bon. Alors, donc, vous voyez que c'est dans les sociétés où l'individu est promu au premier rang comme première valeur. Et en même temps où la religion s'efface, quand même, que vous pouvez, mesdames et messieurs, choisir votre compagne ou votre compagnon dans les flammes de la passion. Bon, après, c'est les enfants qui tiennent le coup et qui font tenir... Enfin, passons là-dessus. Je ne suis pas une agence matrimoniale. Mais je peux vous dire que je surveille de très près l'évolution de la parenté en France. Hein. Et j'écris de temps en temps des petits papiers là-dessus parce que j'observe toutes les statistiques et tout ça. Sur l'évolution des sociétés occidentales au niveau de la parenté. Donc on arrive à ceci, si vous voulez, que Moss ne s'intéresse pas au système d'échange des femmes. Lévi-Strauss, au contraire, va en faire son noyau. Hein. Lévi-Strauss ne s'intéresse pas du tout au potlatch, et lui va prendre la partie des deux pages de M. Moss, parce que ça correspondait à sa théorie générale. Écoutez bien, quelle était la théorie générale de Lévi-Strauss, que j'ai bu quand j'étais petit. La parenté repose sur l'alliance, l'alliance repose sur l'échange des femmes par les hommes pour les hommes. Okay, on est partis tous ensemble avec ça. Hein, vous avez entendu ce que je veux dire? L'alliance, ce n'est pas la descendance. Et l'alliance, c'est l'échange des femmes par les hommes, pour les hommes, okay, qui possèdent le pouvoir dans toutes les sociétés. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça a joué un grand rôle moteur, cette idée. Parce qu'en même temps, il associait la prohibition de l'inceste. Si je ne couche pas avec ma sœur... C'est parce que je dois la donner pour quelqu'un qui ne couche pas avec sa sœur et qui va me donner la sienne, ok? Et coucher avec sa sœur, c'est pas bien, ok? Donc ça marchait, c'est formaté, c'est bien. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je vais dire pourquoi, pour des tas de raisons. Ça marche, c'est-à-dire ça n'est pas universel. On a trouvé maintenant des tas d'autres formes de société, de parenté, dans lesquelles ce postulat ne s'applique pas. Donc il y a des limites à une théorie, vous comprenez? Alors, je vais vous donner des exemples qui vont vous faire frémir. Vous allez voir. Parce que, au fond de vous, vous êtes tous attachés. Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait 2000 ans qu'on est formaté par le christianisme, non? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Demandez à vos grands-mères. Hein. Pas de sexe avant le mariage, hein? Pas de sexe en dehors du mariage, il ne faut pas les donner un petit coup sur le côté, là, ce n'est pas possible. Hein. L'adultère était condamné par l'Église comme par l'État, plus ou moins. Après le veuvage, pas de remariage. Pourquoi? Parce que le mariage était un sacrement et c'était l'union de deux personnes pour la vie devant Dieu. Alors, c'est fini tout ça. Mais nous, on a été formatés jusqu'à ma génération par ça. Il y a eu 2000 ans d'Europe chrétienne. Hein? Et donc le formatage des corps européens, c'est ça. Et la sortie, ça fait un siècle de ça. Et quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit d'épouser. On n'avait pas le droit d'épouser, par exemple, de divorcer de sa femme pour épouser sa belle-sœur, qui est un interdit religieux de l'Église catholique. Maintenant, vous pouvez divorcer et épouser votre belle-sœur si elle vous plaît plus que... sa sœur. Ok? Alors, maintenant, j'arrive à des... Ne le faites pas, mes propositions sont des propositions scientifiques, ce ne sont pas des normes de conduite, ce sont des idéalités, n'est-ce pas? Vous pouvez rêver. Bon. Mais rêver scientifiquement. Alors, donc je reviens à ceci, ce que vous ne savez pas, c'est que dans toute l'Antiquité, en toute l'Antiquité méditerranéenne,
jusqu'en Iran, ce qu'on appelle l'Iran qui était la Perse, et en Égypte, le mariage le plus valorisé, c'était le mariage frère-sœur. Et ce n'était pas le mariage du pharaon. C'était le mariage de... On a toutes les archives maintenant. Des petits fonctionnaires, etc. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que c'était des cochons qui se tapaient leurs sœurs. Parce que c'était la forme la plus religieuse de mariage. C'est que... Alors, en Iran, c'était la même chose. Vous avez entendu parler peut-être de Zarathoustra, non, du manichéisme, le mal contre le bien dans l'univers et dans l'homme. Eh bien, en Iran, jusqu'à l'arrivée des musulmans, le mariage le plus valorisé socialement était le mariage frère-sœur, célébré par un prêtre zoroastrien qui avait épousé lui-même sa sœur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'était la façon pour l'humanité de se rapprocher le plus des dieux. Parce que les dieux pouvaient s'épouser entre eux. Alors, je vous donne maintenant ce que... Quand j'ai discuté avec Lévi-Strauss, c'est une histoire pour l'élite. L'élite fait toujours autrement que le peuple. Pas vrai du tout, là. Maintenant, on a toutes les... Alors, qu'est-ce qui se passait ? Ben, le tabou de l'inceste, et Lévi-Strauss aurait été content, le tabou de l'inceste était totalement respecté. Le père, il ne couchait pas avec sa fille. La mère, elle ne couchait pas avec son fils. Ce qui était suspendu, c'était l'interdit sexuel dans la même génération. Et le frère et la sœur, en s'épousant et en se désirant, on a les lettres d'amour, elles sont traduites maintenant... La fille, la femme, la fille qui appelle son frère, viens, viens mon taureau préféré, putain, tu vois, je vous aime, tout ça. Non mais vrai, comme tout le monde, quoi, des élans de passion profonde et de désir sexuel. Et donc, c'était divinisé, quoi, c'était rapprocher les hommes des dieux. C'est pas de la porno, quoi. Mais ça veut dire aussi que Freud a raison. Ça veut dire aussi que Freud a raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne désire pas sexuellement sa sœur, ni sa mère, ni sa fille. Sinon, vous n'auriez pas tout ce qui se passe dans les journaux. Hein ? 72 000 cas d'inceste déclarés en France, sauf les incestes mère-fils. À la gendarmerie, je parle. Le reste... L'inconnu est certainement plus important que le connu, n'est-ce pas ? Non, ça veut dire aussi que Freud avait raison, quoi. Et par ailleurs, il avait raison sur autre chose que je veux vous dire, c'est sur l'ambivalence sexuelle. Nous sommes tous homo et hétéro. Nous sommes tous homo et hétéro. Et évidemment, l'humanité est obligée de mettre l'hétérosexualité au premier rang, sinon on n'en serait pas là. Hein, si on avait tous été homo, on aurait fait du surplace. Et ben, ça n'aurait pas duré longtemps, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai vécu dans une société où tous les hommes avaient été homosexuels. Et ce n'était pas la gay pride. Pourquoi ? Parce que c'était l'initiation des garçons. C'était sortir les garçons du monde des femmes. Vous allez retrouver des invariants... Et on est en Nouvelle-Guinée, on n'est pas dans une société à civilisation avec des murs, des murailles et tout. On est là-bas en Nouvelle-Guinée, hein, là où j'étais, 2000 mètres d'altitude dans la jungle. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? À 9 ans, on prend tous les garçons. On les sort du monde féminin. Ils sont jusque-là, ils jouent avec leur petite sœur. Ils ont le cul nu, ils jouent comme ça par terre là. On les fait entrer dans le premier stade d'initiation. Et c'est rude, c'est très dur. Et on les fait porter par un homme qui... Et toutes les mères sont là avec les sœurs. Et le petit qui va partir est arraché par un parrain, qu'on peut dire un parrain. Et donc un parrain, ça veut dire que la fonction féminine va être reprise par un homme dans le monde masculin. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se séparer de la fonction féminine, vous allez voir.
Le gars, il monte le petit sur ses épaules et il traverse 50 mètres, au moins 100 mètres, entre deux haies d'hommes qui les battent avec des épineux. Et ils arrivent en sang. Donc, vous voyez, jouissance profonde pour arriver dans le monde masculin. Hein bon. Et là, pendant 3 ans, ils sont habillés mi-en-fille, mi-en-homme, mi-en-garçon. Transition. Après, bon, si je vous traduis, après, ils ont une petite, sur la raie des fesses, ils ont une petite cape d'écorce, toute petite, une lanière d'écorce. Et après, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est, ils m'ont dit c'est la queue du têtard. Je dis, quoi ça, ce truc-là? Parce que les hommes n'existaient pas, c'est les femmes qui existaient avant les hommes. Et les hommes sont apparus sous forme de têtard. Et c'est les femmes qui leur ont fait des mini-arcs, des mini-jupes d'hommes, des mini-baudriers. Et le lendemain, quand ils sont revenus, tout était parti et les hommes sont apparus. Attendez, c'est un mythe. Le mythe dit que les femmes ont créé tout ce qui est culture. Alors que quand j'étais petit, à l'université, on disait « les femmes, c'est la nature, les hommes, c'est la culture ». Oh là là, attendez, hein. Il y a même des bouquins entiers sur le passage de la nature à la culture. Mais là, ce n'est pas vrai. Là, il dit « c'est les femmes qui sont créatrices ». Seulement les femmes, elles foutent la merde. Les femmes, elles avaient fait les arcs, vous vous rendez compte, les arcs, elles n'ont pas le droit de porter des arcs aujourd'hui, mais elles avaient inventé les arcs. Et alors les barouillas m'expliquent, Maurice, les femmes au début, elles ont inventé les arcs, mais elles tuaient tellement de gibier qu'on était obligé de leur prendre les arcs et puis de remettre tout ça en ordre. Donc vous voyez, l'homme, ce que ça fait, ça met de l'ordre. Et les femmes, c'est créateur, mais ça fout la merde, ça fait du désordre. Est-ce que ces représentations du bout de la terre, ça vous semble tellement différent de certaines opinions qui existent, non? Et avec ça, on fait des institutions. Alors là, quelle institution? 9 ans, 13 ans. 13 ans, ils sont habillés complètement en petit homme. Okay. 15 ans, c'est la puberté. À partir de 15 jusqu'à 18, ils sont des jeunes guerriers. 18 jusqu'à 20, 21, ils sont des hommes. Alors, je ne vous parle pas de tous les symboles. Hein, si vous, à la fin, vous terminez un homme, un jeune homme qui va se marier. Et vous avez devant, sur votre tête, des plumes de perroquet blanc. Et tous les hommes du même âge et de la même condition ont ça. Donc, l'uniformisation des signes. Vous lisez tout de suite, plume noire au milieu, chaman, etc., guerrier, etc. Oui, mais alors il se passe un truc que je vais vous révéler, puisque je pense que je ne vois aucun barouilla dans la salle, mais je vais vous donner un des éléments les plus secrets des initiations. Quand les petits gars, les petits arrivent, ils sont terrifiés, hein, ils pissent par terre de peur. On les présente à un arbre et à l'esprit de l'arbre. Et cet esprit et cet arbre conduit les esprits des jeunes et les hommes, le mien, jusqu'au soleil. Et le nom du soleil, je connais son nom secret, mais je dois l'appeler Noumoué. Et Noumoué, ça veut dire père. Et donc, je vais vous expliquer après. Père, soleil. Ok, et moi je fais ça, écoutez. Et donc je lance mon esprit pour accompagner jusqu'au soleil, et un aigle va prendre mon esprit et les esprits et l'amener jusqu'au soleil, non? Et l'aigle, c'est quelque chose de très important pour les barouillas. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait mon testament, et après ma mort, je vais me transformer en aigle. J'ai choisi, quoi. Ma forme de résurrection. Vous voyez, on voit les choses de très haut après. Hein, voilà. Alors, quel est le secret maintenant des barouillas? L'un des éléments secrets que vous allez comprendre, c'est que les jeunes qui ont de 15 à 20 ans et qui ont du sperme, comme ils n'ont jamais baisé, théoriquement, ça leur est totalement interdit, ils doivent être vierges,
ils donnent leur sperme à boire aux petits. Oh, là, les femmes, c'est quoi ça? C'est une fellatio, hein? Et la fellatio, c'est des choses qu'on pratique quand même, non? Mais pourquoi ça? C'est pas parce que c'est la gay pride, hein? C'est parce que c'est une semence pure de toute influence féminine, pollution féminine, qui fait que les enfants vont renaître une deuxième fois des hommes sans les femmes. Donc vous voyez jusqu'où ça va? C'est pas pour s'envoyer en l'air la gay pride, c'est pour construire dans cette homosexualité des hommes qui ont le droit de gouverner les femmes. Vous voyez l'enjeu maintenant? Et donc, on ne sait pas ce que c'est que l'homosexualité dans différentes sociétés. On ne sait pas. On voit les homosexuels en France ou dans l'Antiquité, ou d'ailleurs en Grèce, l'homosexualité, c'était pas forcément maltraité. Et à Lesbos, c'était les femmes de l'aristocratie qui étaient lesbiennes. Elles avaient aussi des enfants, hein. Alors, évidemment, dans toutes sortes de sociétés, c'est contre nature, c'est comme la zoophilie, hein, elle est couchée avec ses chèvres, etc. Non, bon, c'est pas le cas dans d'autres sociétés, donc on ne sait pas. Il y a même chez les Chinois une voie du Tao réservée pour les homosexuels. Donc, l'homosexualité n'est pas traitée de la même façon dans les sociétés, culturellement, je veux dire, et socialement. OK ? Mais pour notre religion et notre culture, c'était interdit, sauf pour les mignons du roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons fait de l'histoire. Eh bien, malgré tout, les rois de France avaient le droit à des petits compagnons sympathiques. Hein? Bon. Donc, vous voyez, faisons un peu d'histoire aussi. Alors, donc, quel est l'enjeu, là? C'est la supériorité masculine. C'est que les hommes ont l'idée de refaire sans les femmes des hommes. Quelle prétention, hein? Bon, et si vous voulez, quand ils se marient, donc à 21 ans, ils quittent la maison des hommes, ils doivent construire le jeune homme sa maison, avec tous les jeunes du village qui l'aident et tout ça. Enfin, je passe sur les rites, ça durerait toute la nuit. Mais si, dès qu'il a couché avec la fille, il n'a plus le droit de mettre son sexe dans la bouche d'un garçon. Hétérosexualité pour le reste de la vie. OK? Impossible. Mais, alors là, c'est, vous voyez maintenant, je vais rentrer avec vous, tout est culturel et je peux vous expliquer des tas de trucs. Ils ont une logique sociale que vous allez voir maintenant. Mais, s'il n'a pas la bouche des garçons, il a maintenant la bouche de sa femme. Et la fellatio est pratiquée à chaque fois que la femme a ses règles, et à chaque fois qu'elle a des gosses, elle refait la fellatio à son Jules. Pourquoi? Parce que, alors écoutez bien, dans l'imaginaire, là vous allez entendre un paquet d'imaginaires qui va. Et quand on vous déchiffre l'imaginaire, vous le comprenez? Bon, ça ne devient pas plus con qu'autre chose, si on peut dire. Eh bien, c'est la prétention énorme que les hommes en donnant leur sperme à leur femme, ils fabriquent le lait que les femmes vont donner à leur bébé. Donc, ce qui va être dans les seins des femmes bien lourds et tout ça, c'est du sperme transformé. Là, je leur ai dit, vous faites fort, les gars, vous faites vraiment très fort. Ça vraiment, le jour où on m'a initié, j'ai dit, chez nous, on n'irait pas si loin dans le... Non, mais maintenant, on rigole entre nous parce que ce n'est pas la même culture. Mais vous voyez comment la femme, elle est verrouillée, là, quand même, non? Hein? Même les substances masculines, féminines, qui chez nous, le lait maternel et tout, ça fait pleurer, quoi. Hein? Ben là, hop, ils ont confisqué le corps de la femme, un peu plus loin encore que je ne pensais. Hein? Vous voyez les enjeux? Bon, dans d'autres sociétés, c'est... Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on fait les enfants, en fait. Vous ne savez vraiment pas comment on fait les enfants, mais moi, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs façons de faire des enfants. Et vous allez voir que c'est absolument déterminé par le système de parenté. Si vous êtes dans une société
patrilinéaire comme les barouillas, seul le sperme fait l'enfant à moitié. La femme, on dit gilia, c'est un sac. C'est-à-dire le mot pour utérus, c'est le même mot que pour le filet qu'elle porte sur porter les patates. La femme, c'est un sac. Et ce qui fait le fœtus, c'est le sperme. Donc la femme n'est pas génitrice. Seul, et même pas seul, l'homme est géniteur. Alors, bon, ok, les types, mais Maurice, c'est plus compliqué que ça. Moi, on m'appelait Mauricello Guayacapo. Alors, Mauricello, Lolo, tout ça, c'est la masculin. Maurice le Rouge. Il ne connaissait rien de mes opinions politiques, surtout au fond de la Nouvelle-Guinée, quand je suis arrivé, vraiment, ce n'était pas le cas. Mais ça voulait dire que j'avais beaucoup de coups de soleil. Parce qu'ils étaient noirs et moi j'étais blanc quand même, donc j'étais un peu brûlé quand même. Bon. Donc mon nom et mon surnom, là, c'est Maurice le Rouge. Et il y a Danny le Rouge, enfin il y a des tas de types comme ça. Mais eux, ils ne savent rien de tout ça, c'est pour nous là. Alors donc, comment ça se présente un enfant? Regardez la conception de la conception, leur conception de la conception. Il faut un rapport sexuel pour faire des enfants, c'est ok. Attendez, il y a des sociétés dans lesquelles des enfants peuvent se faire sans rapport sexuel, par des esprits, une femme qui s'assied sur quelque part, etc. Mesdames, c'est à vous de voir, comme on dit. Mais moi, je vous parle de ce que je sais. Hein. Bon. Alors donc, vous avez le sperme fait le fœtus. Et ils me disent, Maurice, est-ce que tu as déjà vu... Enfin, ce que vous voulez dire, c'est une fausse couche, quoi. Bon, j'ai dit oui, enfin non, enfin dans les manuels, enfin j'ai pas, je me suis... Des photos, des trucs comme ça. Mais eux, ils n'ont pas de manuel, ils écrivent pas. Il dit, bon, voilà. Alors, donc, ce qu'il me décrivait, c'est un fœtus qui n'a pas le nez et les doigts de pied et de main. Donc, ils me disent, Maurice, c'est le soleil qui, dans le ventre des femmes, finit le fœtus et achève... Alors, doigts des mains pour des chasseurs... Et des agriculteurs, doigts des mains et des pieds. Et ça, c'est quoi? C'est l'endroit qu'on va percer pour l'initiation, pour le marquage du statut social. Hein. Et les femmes aussi, le nez est percé. Hein. Au moment des règles. Hein, des premières règles. Donc, ok, là, donc je me trouve déjà avec un homme et une femme qui font l'amour, mais l'amour ne suffit pas à faire un enfant. Il y a un troisième qui intervient, c'est le soleil. Ok. Mais Maurice, attention, c'est pas suffisant ça. Bon, alors vous allez voir comment on construit une représentation de l'autre et du bébé, quoi. Et comment elle est en accord avec le système patrilinéaire dont les enfants n'appartiennent qu'au clan du père et pas de la mère. Et chez les matrilinéaires, je vais vous inverser le coup là tout à l'heure. Et donc ils disent, tu vois Maurice, quand il dit, oui, ok, il a une forme humaine. Mais ce n'est pas encore un barouilla. Il sera un barouilla dans un an. Quand on lui donnera son nom, la nomination. Mais attention, le nom, c'est un nom de clan. Hein, un nom de clan que donne son père. Et c'est le nom d'un grand-père ou d'une grand-tante, si c'est une fille. C'est-à-dire, il y a transmission des noms par génération alterne. C'est-à-dire, mon nom, c'est pour mon petit-fils, mais pas pour mon fils. Donc Maurice Godoyer se répète. Tous les deux générations. Et c'est peut-être même le même individu, pourquoi? Et c'est plus du tout l'individualisme de nous. Vous savez bien que nous sommes des individus absolus, quoi, comme la vodka, absolue vodka. Regardez, enfin, on est unique, non? Ok. Eux, non. Pourquoi? Parce que quand ils donnent le nom, l'esprit du mort revient dans le petit. Et si s'il meurt avant d'avoir le nom, il est enterré par sa mère n'importe où comme un chien. Dès qu'il a un nom, il est enterré dans le territoire du clan de son père. C'est clair? Hein, les enjeux, vous voyez les enjeux? Bon. Mais attendez, ça ne suffit pas. Là, il est barouilla. Mais comme il est garçon, il faut qu'il renaisse une deuxième fois. Et la renaissance, c'est l'initiation. Donc vous avez vu le système maintenant se mettre en place, l'initiation,
fait qu'à ce moment-là, il rentre dans le monde des hommes avec une supériorité, puisque là, il va être refait, il va être défait de ce qu'il y avait de féminin encore en lui, pour être refait comme, complètement par les hommes dans l'imaginaire, que tout ça. Il faudrait bien quand même que nos politiciens comprennent le rôle de l'imaginaire et les productions merdeuses que ça peut produire, c'est épouvantable. C'est un anthropologue à mon âge, quand j'ai vu tellement de sociétés, je dis, ouf, oh là là, il faut savoir faire la critique de tout ça, sans mépriser les gens qui pensent comme ça. Alors, matrilinéaire, vous allez comprendre maintenant. Je prends l'exemple fameux, fabuleux des matrilinéaires de Malinowski chez les Troubriand. Les curés arrivent, ils ne comprennent pas. Ils viennent, ils parlent de Dieu le Père. Il se tape la tête par terre, dit Dieu le Père, mais ça ne va pas. L'homme qui couche avec la femme que vous dites, appelez le Père, ce n'est pas le Père, puisque son sperme ne fait pas l'enfant. C'est seulement la mère qui fait l'enfant. Ah bon? Ah oui, qu'est-ce que c'est que l'enfant pour vous? Ben c'est le sang menstruel de la femme qui se dépose dans son corps. Et, ah bon, alors qu'est-ce que fait le sperme? Il nourrit le fœtus. Donc le père est nourricier, mais il n'est pas géniteur. Et là, c'est la femme qui est génitrice. Et les enfants lui appartiennent ainsi qu'à son frère. Car l'autorité, ce n'est pas le père, c'est le frère de la mère. Parce que c'est le frère de la mère qui va transmettre ses biens à son neveu. Et ses propres enfants, c'est le frère de sa femme qui va les transmettre. Logique. Oui, mais alors, regardez, il y a un coup qui est fort quand même. C'est que ce n'est pas seulement le sang menstruel. C'est l'esprit du clan, un esprit, un mort, quoi, qui veut se réincarner. Et donc, il quitte l'île des morts et il va dans le corps de la femme, une godelier morte ou un godelier mort, son esprit va flotter sur les eaux et entrer dans le corps d'une des descendantes, quoi. Et ça vous pose un petit problème, non? Qu'est-ce qui fait l'âme des enfants chez les chrétiens? Puisque là, je viens dans notre culture, c'est quand vous faites l'amour que vous faites l'âme de votre enfant? C'est Dieu qui a introduit à l'heure qu'il le veut, l'âme dans le fœtus de la femme. Et aussitôt, il se charge du péché originel qui est transmis par l'acte sexuel depuis Adam et Ève. Et c'est pour ça qu'il faut vous précipiter pour faire baptiser votre enfant, pour laver son âme, pour qu'ensuite il soit puni pour ses propres péchés. Je ne suis pas bon ? Bon. Alors donc, si vous voulez, allez, moi, de temps en temps, Enfin, malicieusement, on peut aller, par exemple, à la sortie d'une église un jour de baptême, puis demander à une grand-mère, alors, d'où vient l'âme de votre petit-fils que vous avez baptisé? Est-ce que c'est votre gendre qui a fait cette âme avec son sexe? Vous vous rendez compte du truc, là? Non, mais c'est pour vous dire que c'est pareil. Un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant dans aucune culture. C'est nous maintenant qui ça. Nous, dans notre monde laïcisé, scientificisé, mais c'est nouveau. Et j'en suis content d'être dans ce monde. Je m'excuse de vous le dire, je ne suis pas barouilla. Hein. Bon. Et on peut pas être l'autre. Hein. On peut le comprendre. Parce que tout ce que je viens de vous dire, je l'ai compris. Ça ne veut pas dire que je le méprise et ce n'est pas dire que je vais devenir barouilla. Alors, quand j'entends des postmodernes américains me raconter qu'on n'est pas capable de comprendre l'autre et qu'on projette toujours nos idées d'occidental sur les autres parce que nous sommes des dominateurs, d'abord je ne suis pas un agent de l'impérialisme américain ni français, et en plus j'ai compris quand j'allais à la chasse avec les gens, ils m'ont expliqué comment je chasse. Comment il faut chasser, quoi chasser. Mais je ne vais pas vivre, moi, de la chasse tous les jours, tandis qu'eux ne peuvent pas s'arrêter. Vous comprenez la différence? Eux, leurs connaissances leur servent à faire leur vie tous les jours. Et moi, anthropologue, quand j'ai compris, j'ai partagé les connaissances, eh ben, je bouffe des conserves, une partie du temps. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas aller tous les jours chasser. Mon boulot, c'est d'être là et d'être pas là. En même temps, je suis dans une position
d'acteur de connaissance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de connaissance, que je suis un connard d'anthropologue occidental. Hein, parce qu'on est insulté tout le temps, non pas par les gens là-bas, mais par les gens de Michigan. Hein. Bon, attention, parce que c'est eux les héros de... etc. Bon. Je ne suis pas contre les Américains, mais parfois, comme je... ils m'emmerdent quand même. Oh là là, en plus, ils ont... on a exporté Foucault, Derrida chez eux, et ils font un mélange avec ça, qui n'existait pas chez nous, alors... Et moi, quand je vais aux États-Unis, comme la langue anglaise, c'est ma deuxième langue, je commence toujours mes discours par « Salut aux Américains, grand peuple qui comprenait mieux Derrida en anglais que nous en français. » Et alors, quand vous faites ça, les deux tiers de la salle qui n'a jamais compris Derrida se trouvent tellement confortés de n'avoir pas compris. Et ceux qui croyaient avoir compris, oh là là, surtout quand c'est un Français comme moi, réputation nationale, qui dit ça, alors « Tlouk !» Mais ça, c'est la provocation pure, hein. C'est pour me faire plaisir. Hein. Alors maintenant, vous voyez ce que c'est qu'un enfant pour eux. Et vous voyez que maintenant, la conception d'un enfant et la structure de la famille va être structurée par les principes d'appropriation des enfants, soit par le père, soit par la mère, soit par les deux, parce qu'il y a les trois systèmes possibles. Vous avez vu, c'est logique, quoi. Bon, maintenant, on ne sait pas pourquoi il y a des systèmes patrie plutôt que matrie. On sait que la majorité, et c'est là que Lévi-Strauss jouait son jeu, la majorité à 60% des systèmes mondiaux, c'est plutôt patrie. Et après, c'est matrie et peu, c'est cognatique, c'est-à-dire nous, on descend de son père et de sa mère. C'est pour ça que les Français ne comprennent pas la différence entre descendance et filiation. On est fils d'un monsieur, d'une dame, ok ? Fille. Mais dans les autres sociétés, par exemple le monde arabo-musulman, on descend de son père. Ok ? On descend de son père. On ne descend que des hommes. Mais on est fils d'une femme et d'un homme. Est-ce que c'est clair ? Donc si les Français ne comprennent pas la différence entre descendre... C'est pour ça que je m'explique. De temps en temps, je vais à Bordeaux, à l'école nationale de la magistrature, parce que il y a des commissaires de police, il y a des juges, il faut que je leur explique ce que c'est que le mariage arabe, par exemple. Parce que c'est pas enseigné, quoi. C'est pas... Alors, il faut expliquer que la première femme qu'on épouse dans le monde arabo-musulman, c'est la cousine du côté du père, la fille du frère du père, qui est la plus proche de sa sœur, mais qu'on ne peut pas coucher avec sa sœur. Et que la deuxième femme, puisqu'on a droit à quatre femmes, c'est du côté de la mère, la troisième, c'est etc. Ben, ils sont contents, après. Si, ils sont contents, ils ont compris. Sinon, c'est pas clair pour eux. Et quand ils ont dans les camps d'immigrés, des Wolofs qui viennent du Sénégal, leur expliquer ce que c'est que le mariage Wolof, ça sert, quoi. Vous voyez que je peux servir à quelque chose, quand même, non ? Même dans ma société. Hein. Donc, vous voyez, quelque chose de très important, c'est que les structures de... Vous voyez comment la représentation de l'enfant, donc de la personne humaine, dépend de relations qui débordent la famille. Alors, vous comme moi, vous avez entendu, la famille c'est le fondement de la société, mais c'est des conneries épouvantables. Enfin, c'est pas la famille qui peut fabriquer le capitalisme comme système mondial, enfin ça n'a aucun sens. Ça ne me donne même pas mon portable. La famille me permet d'exister et d'être élevé. On m'élève. Et donc, ça me marque pour la vie. Donc, dans l'histoire de la vie, la famille, c'est fondamental. Et même quelques solidarités autour de moi. Ça dépend, hein. Parce que les solidarités familiales en France, maintenant, quand je regarde ce qui se passe du point de vue des descendances, parce que l'alliance est en train de changer. Vous voyez les deux axes, l'alliance et la descendance. L'alliance et la descendance. Le mariage disparaît, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des unions, mais il n'y a pas besoin de se marier pour avoir des... Et les gens se marient peut-être quand ils ont deux enfants. Donc là, ils stabilisent le truc. Là, et encore, bon, à 50 ans, ça devient difficile. Mais enfin, c'est normal, ça. Donc l'alliance se fragilise en France. Elle est... Mais la descendance reste
filiation, descendance, le débat que je... Alors, dès qu'on va sortir du lot pour aller vers les mères porteuses, etc., bon, ça, je vous dirai tout à l'heure, parce que j'ai été expert auditionné par l'Assemblée nationale en tant qu'anthropologue pour donner mon avis sur les formes modernes de parenté en Europe et aux États-Unis, surtout, moi. C'est-à-dire les mères porteuses, hein. C'est aussi l'homoparentalité, donc j'étais obligé de prendre position sur ces questions devant les députés et les sénateurs. Donc ils m'ont écouté et Valérie Pécresse est venue ensuite me dire, c'était il y a un an avant les élections, monsieur le professeur, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, mais si on suivait vos avis, on aurait des difficultés aux prochaines élections. Non, mais là, ils n'ont pas eu de difficulté, c'est les élections d'avant. Mais je n'aurais pas changé le cours du monde, quand même, il ne faut pas croire. Mais quand même, c'est une femme politique, donc vous voyez, il ne faut pas dire n'importe quoi à n'importe quel public. Quoi. Quand je lui ai expliqué que, par rapport aux États-Unis, tout ça, que l'homoparentalité, il va falloir y passer, il vaut mieux tout de suite, etc., pour convoquer les églises, les hommes, etc., et vous allez encadrer politiquement et juridiquement, elle disait « pas vite, pas vite ». Mais je dis, vous allez y passer, puisque les Hollandais qui sont calvinistes sont passés, nos copains Zapatero et les catholiques qui sont passés, on va y passer. Alors, prévoyez et encadrez politiquement. Mais pour l'instant, pas avant les élections. Enfin, passons, c'est comme ça. C'est la vision politique des choses. Hein, c'est... Donc maintenant, vous voyez aussi ce que c'est. Alors, ça aboutit à une chose. Donc, c'est pas vrai. La famille n'est pas le fondement de la société. Et dans les sociétés primitives... Les clans, qui sont quand même d'énormes systèmes de parenté, hein, des groupes de parenté qui débordent la famille, hein, parfois 200 personnes, 700, 800, c'est pas ça qui fait la société. Et là aussi, j'étais obligé d'évacuer une évidence. Ce qui fait société, partout où j'ai trouvé, quand j'ai commencé à travailler systématiquement, ce sont des rapports politiques et religieux. Ce sont les seuls rapports... Alors, il y a par exemple quelqu'un qui a posé une question qui s'appelait l'identité nationale. Hein, question pour savoir qu'est-ce que c'est que l'identité. C'est simple, chez nous, l'identité nationale, c'est la souveraineté partagée. C'est notre statut de citoyen qui est défini par une constitution qui est la même pour tous. Après, si moi je suis homo, c'est mon problème. Et donc, c'est ça. Que je sois sans religion, avec religion, que je sois musulman ou pas, c'est pas quelque chose qui nous divise, ce qui nous unit, c'est ça, d'abord, la citoyenneté partagée. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'interroger sur cette question. Mais bon, les circonstances très particulières ont fait qu'on a lancé la question, et vous la connaissez, les circonstances, puisque ça s'est retombé sur la gueule de ceux qui l'ont lancée. Bon, très bien. Passons là-dessus. Mais ça, c'est une leçon aussi de sociologie. On ne lance pas une question à n'importe quel moment, même si on croit faire des petits profits collatéraux. Parfois, ça se retombe parce qu'il y a une logique sociale profonde. C'était pas là le problème. Et là, on ne peut pas tout manipuler, vous savez, politiquement. Il y a des résistances sociologiques, quelque part. Et moi, nous, on est sociologues, anthropologues. Donc, maintenant, vous voyez quelque chose d'important. Vous voyez des noyaux imaginaires. Parce que dire qu'on descend que par les hommes, c'est un postulat. Dire qu'on ne descend que par les femmes, c'est un coup de force. Mais le coup de force a été fait par qui ? Personne ne sait. Et comme il a été fait dans plusieurs endroits du monde, il faudrait pouvoir comprendre comment plusieurs fois l'humanité a posé ses principes pour se créer un mode d'existence. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, c'est aussi compliqué que la physique nucléaire. C'est aussi compliqué. Par exemple, les barouillages, j'ai compris très vite que c'est un système patrilinéaire, bien entendu, mais sa structure était la même que ce qu'on appelle les systèmes des Iroquois. Iroquois, vous voyez ce que c'est, les Indiens d'Amérique du Nord. Il n'y a jamais eu de contact entre les Iroquois et les barouillages, ni linguistique, ni historique, ni géographique. Donc, plusieurs fois, la même chose apparaît dans plusieurs endroits. Alors, non seulement je dois vous expliquer les barouillages, mais à un moment, comme scientifique, je dois
me poser la question pourquoi l'humanité a inventé le même système à plusieurs endroits. Et là, je dépasse les barouillards et je suis toujours encore un type sérieux. Tandis qu'aux États-Unis, on me dit « pas de comparatif, ça sert à rien ». Pas du tout. Je me pose la question sur l'histoire de l'humanité. Je deviens responsable de l'histoire de l'humanité. Je passe à un méta-niveau, le niveau de ma pratique d'anthropologue de terrain. Pas de terrain, pas d'anthropologue, hein, faut pas croire. Les gars qui lisent que des bouquins, quelle sensibilité ils ont. Les bouquins ne vous donnent pas la sensibilité de construire des rapports d'empathie, de connaissances, etc., avec les gens, quoi. C'est pas possible. Les bouquins, c'est bien pour quand on est étudiant, puis après, quand on est professionnel. Mais c'est l'expérience que vous allez construire avec vous-même. Le moi cognitif que vous allez développer comme chercheur, c'est ça qui compte. Et ça, c'est pas seulement les livres. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. À partir du moment où on est historien de l'humanité, on doit s'attaquer avec d'autres qui sont spécialistes d'autres systèmes de Iroquois dans le monde. On doit faire une fédération des spécialistes des Iroquois, si on peut dire. Et le mot Iroquois, c'est un mot pour désigner un type de système. Alors écoutez, combien nous sommes de sociétés dans le monde? Alors vous avez des mastodontes, 1,3 milliard de Chinois qui sont... Il y a 200 millions de non-Chinois chez les Chinois, Han, mais c'est quand même un paquet. Hein. Le reste, c'est des Tibéto-Birmans et tout. 1,1 milliard de l'Inde, mais 200 millions de tribus et pas seulement des castes. Et sur 1,1 milliard, je vous donne le chiffre, 120 millions de musulmans encore. Après la partition qui a donné des millions de morts entre Pakistan et l'Inde, n'est-ce pas? Alors ça fait des paquets. Hein. Eh bien, il reste quand même au moins 9000 sociétés différentes, des petites sociétés de 300 personnes en Amazonie, qui ont la même valeur de connaissance et d'authenticité humaine que nous, les Français, qui sommes, je ne sais pas combien maintenant, un paquet quand même, non? Donc, vous voyez un peu le truc? Eh bien, je vais vous dire maintenant, sur 10 000 sociétés, il n'y a que 7 systèmes de parenté. Vous vous rendez compte? Personne ne le sait, les journalistes. Les journalistes, c'est des types sympas, ils arrivent pour l'événement, ils couvrent l'événement 15 jours. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et souvent, ils ont projeté qui sait ce que c'est que les chiites, qui savait ce que c'était que les chiites et les sunnites. Qui savait en France que les musulmans sont divisés en plusieurs groupes et que les chiites, qui sont si importants en Iran et